Ouais, je me présente, moi c'est Bala, artiste solo du label Malfamé Records du 9-2-92. On est là pour la sortie de mon album Amour, Gloire et Beauté, qui devait sortir normalement aujourd'hui, mais qui a été décalé à je sais pas combien, à je sais pas quand. Parce qu'il y en a plein, ils disent faire du taf, mais ils font rien du tout, ils font que de rap. Donc t'as vu, là on va attendre la sortie de l'album, et après on pourra bien régler ça, tu vois. Bah, le titre de cet album, c'est Amour, Gloire et Beauté. En fait, c'est les mots qui font rêver, tu vois. L'amour, ça fait rêver, la gloire, la beauté. Tu comprends ce que je veux dire, quoi, tu vois. C'est ce que les gens, ça fait rêver les gens, quoi. Et moi, je te dis aujourd'hui, la gloire, je l'ai, l'amour, je l'ai, et la beauté, je l'ai. Tu vois ce que je veux dire, la famille. Dans la français, il y en a plein, ils ont peur de montrer, ou je sais pas quoi. C'est peut-être qu'il y en a, ils peuvent pas montrer parce qu'ils ont que dalle. Tu vois, ça parle, mais il y a que dalle. Tu vois ce que je veux dire, quoi, tu vois. Je suis pas là pour me la raconter en disant, ouais, j'ai ça, j'ai ceci, j'ai ça. Tu sais, ce que je rappe, c'est ma vie. Mes clips, c'est ma vie. Tu comprends ce que je veux dire ou quoi, tu vois? Tout, c'est ma vie. Tu vois, maintenant, je veux pas faire le pauvre pour faire du style, ouais, comme tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire ou quoi? Tu vois, je vais pas faire le riche un maximum pour dire tu es riche, non. J'ai mon oseille, je me fais mon oseille et j'essaye d'être pépère, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'être bien, tu vois? D'être bien, ça veut dire quoi? Si je dois rouler avec une grosse voiture, ben, je roule en grosse voiture. Je dirais pas non, je fais pas ça parce que lui, il l'a pas. Mais je m'en bats les couilles, celui qui a pas, il a pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis arrogant et je l'avoue. Pas comme c'est pédé, moi je m'en bats les couilles, tu comprends ce que je veux dire ou quoi? Il y a beaucoup trop de mythos. Il y en a, ils ont de l'oseille, mais ils font semblant, ils n'ont pas d'oseille pour ressembler aux autres, pour pouvoir vendre des disques en disant ah ben lui, il est comme nous. Tu comprends ce que je veux dire ou quoi? Oui, il y en a, ils veulent le montrer, mais ils ont que dalle. Tu vois, ils ont que dalle. Tu vois, ils veulent le montrer, mais ils ont rien du tout. Et moi je te dis, t'as vu, au jour d'aujourd'hui, je ne me la raconte pas. C'est comme ça, c'est ma vie, c'est comme ça. Si les gens trouvent que je me la raconte, ben ça c'est mon problème. Tu comprends ce que je veux dire ou quoi? Au jour d'aujourd'hui, j'attends pas après le rap pour me faire de l'oseille. Tu vois, au contraire, j'investis plus que je gagne dans le rap. Nous aussi, au jour d'aujourd'hui, nos CD dans les packs, ils vendent pas à max. C'est parce qu'on est indépendant, frère. On est indé. Tu vois, ça dit, on est dans les packs le jour de la sortie. Des fois, soit on est décalé, soit tu trouveras que 10 CD en FNAC. Tu sais, ils nous commandent pas 50 ou 100 CD. C'est normal parce que les 10 premières personnes, 10 premières personnes qui vont venir à la FNAC, ils vont acheter les 10 CD. Ben après, il n'y a plus rien. C'est normal qu'on rentre pas dans le top album, frère. On peut pas rentrer dans le top album. Tant qu'ils nous prennent pas au sérieux. Tu vois, ils nous prennent pas au sérieux. Ils s'en battent les couilles, on est un indépendant. L'argent, c'est moi qui ai investi. C'est mon label, Malfamé Records. Tu vois, moi et mes gars, on fait le taf. L'affichage, c'est moi et mes gars. Tu vois, on va pas payer je sais pas qui. C'est nous. C'est nous. Tu vois, la colle, tout ce qui est les centres de boîte, c'est nous. Les affiches, payer les affiches, payer les clips, c'est nous. Personne d'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a personne. Au niveau de beatmaker, j'ai bossé avec Jameson. J'ai bossé avec Jameson. Et j'ai en featuring, j'ai bossé avec Merlin, avec Ekoué, avec Willy sur un morceau. Et après, il n'y a personne d'autre, tu vois. Parce qu'en fait, c'était mon album pour moi qui venait à cœur. Donc j'ai pris des potes à moi, quoi, tu vois. Je prends Merlin, c'est un gars à moi. Ekoué, pareil, tu vois. J'aurais pu faire un featuring avec je sais pas qui, tu vois, mais ça m'a pas intéressé parce que ça parlait pas, tu vois, le morceau que j'ai fait. Les morceaux que j'ai fait, ben, ça m'en parlait pas, tu vois, donc j'ai pas pu inviter des artistes peut-être plus tard, quoi, tu vois, le prochain album, Inch'Allah, tu vois. Moi, mon rap, c'est rap de rue, c'est bling bling de la rue, c'est pas bling bling tout court, bling bling de rue, tu vois ce que je veux dire ou quoi, tu vois. C'est pas le bling bling, genre les mecs qui se la racontent, tu vois, pareil. Moi, tu me vois pas sur pareil, tu me vois pas châtelainer dans les boîtes de nuit. Hein. C'est super rare. Si en boîte de nuit, c'est que j'ai été invité pour un anniversaire. Tu vois, mais tu me verras pas en boîte de nuit en train de faire la queue comme un crawa. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, si tu me vois, tu vas au quartier, ou tu vas dans certains quartiers là où je vois mes potos, là tu vas me voir. Mais toi, je suis pas le mec genre bling bling, tu vas me voir bah, en train de me la raconter, tu vois, donc vite teinté, on me reconnaît pas. Et si vous voulez supporter la français, faut acheter les indés, tu comprends ce que je veux dire ou quoi? Ou faut acheter du vrai rap, tu vois. J'ai par exemple un mec comme, vas-y, je dirais pas le nom, qui a été beau, son album a été beau écouté. C'est pas normal, tu comprends ce que je veux dire ou quoi? C'est pas normal, tu vois. Moi j'arrive derrière, bim, boycott. Pourquoi? Bah, parce qu'on fait du bon taf. Et parce que les mecs qui sont derrière, bah, ils sont pas professionnels, gros, tu vois. Ils sont pas professionnels. Nous on est professionnels. Tu vois, je me cache pas, hein. Je le dis, hein, t'as vu, les mecs sont pas professionnels, je suis professionnel. Tu comprends? Et je ferai mon taf. Et j'attends pas après le rap pour grailler. Si je graille, pépère. Mais voilà les mecs, arrêtez de parler, c'est du rap. Hein. Les artistes sont très très bons, tu vois ce que je veux dire? Je dis ça pas le nom, parce que voilà, je suis pas là pour faire de la pub aux gens, tu vois. Mais il y a des artistes qui assurent, il y en a qui assurent pas, il y en a, franchement, c'est des grosses merdes. Je dis la vérité, frère, c'est des merdes. Tu vois, ils disent que nous, on est des merdes. Non, frère, arrête.
C'est des merdes parce qu'ils sont prêts à donner leur huc, tu vois, prêts à donner leur cul pour tourner en radio ou en télé. Mais ils font même pas de thunes. C'est juste pour montrer aux meufs, voilà, je tourne en radio, en télé, pour baiser des petites meufs. Mais gros, on n'a pas besoin de ça, nous. On n'a pas besoin de ça. Nous, on veut du vrai rap, frère. On veut du vrai rap. Et l'album, il arrive dans les bacs d'ici quelques jours. Et c'est du lourd, hein. Franchement, les phrases, c'est du lourd. Il y a un clip Bad Boy Zéo qui tourne. Il y a le clip Monnaie Pouvoir qui arrive. Il y a le clip La Réussite aussi qui arrive. Parce que nous, on a déjà réussi, nous, frère. On a réussi ce qu'on voulait, c'est être en bac, s'imposer, déranger les gens. Là, on dérange. Donc, les gens, ils pètent un câble. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens, ils pètent un câble, ils sont pas bien, ils se prennent la tête. Mais prenez-vous bien la tête, les frères, parce que c'est pas fini. Voilà, sur la tête de mon mère, c'est pas fini. On arrive tranquille. On arrive pépère. Et fuck l'industrie du disque, frère. J'ai une bonne petite dédicace au mec de test, frère. Ça, c'est du lourd. C'est du lourd, frère. Mec de test.com.